Il y a 50 ans, le jour pour jour du 11 mai 1968, je me rappelle très très bien pour avoir vécu mon 25e anniversaire sur ces barricades, les barricades de la rue Gay-Lussac, qui a été d'ailleurs baptisée rue du 11 mai 1968. Et ce soir-là, les manifestations étaient d'une telle violence entre manifestants SARS et forces de l'ordre de l'autre côté, et les CRS envoyaient des bombes lacrymogènes. Sauf que ce soir-là, vers 21h30, 22h, il y a eu un jeune d'une vingtaine d'années, qui a voulu renvoyer ce qu'il croyait être une bombe lacrymogène vers les CRS. Malheureusement, c'était une grenade offensive, du moins c'est ce que nous a été expliqué après, puisqu'elle lui a éclaté dans la main. Elle lui a arraché non seulement la main, mais une partie de l'avant-bras. Et bien sûr, on lui a porté assistance à un certain nombre d'étudiants. On lui a fait un garrot. Et pour l'évacuer, c'était un problème dans la mesure où les ambulances ne pouvaient pas accéder à l'intérieur de cette rue. Tout était barricadé. Il n'y avait aucune possibilité d'accès. Et là, il y avait une brouette d'un chantier qui était là, d'ailleurs. Bon, on l'a mis sur cette brouette. Et on s'est dirigé vers la rue Saint-Jacques pour aller en direction de l'hôpital Cochin. Seulement, les barricades étaient trop importantes. Il a fallu demander la contribution de d'autres étudiants pour dégager un passage. Et tout le long donc, du parcours de la rue Saint-Jacques, on s'était rendu compte qu'il y avait l'hôpital du Val-de-Grâce, l'hôpital militaire. Et bien sûr, avec un étudiant dont je ne le connaissais pas, on était tous deux, et le blessé, on s'est orienté vers l'hôpital Val-de-Grâce. En arrivant à l'entrée, ils nous ont empêchés d'y accéder, semble-t-il. C'est un hôpital militaire, mais ils ne pouvaient pas prendre en charge des blessés civils. Sûr, moi j'étais contrarié, j'ai essayé d'insister, mais sans résultat. Et pour moi, c'était une non-assistance à personne en danger. On a repoussé chemin et on est parti sur l'hôpital Cochin, qui était quand même assez loin, et on avait vraiment peur pour ce jeune homme. On est arrivé quand même à l'hôpital Cochin, on l'a laissé au service des urgences. Je pense que l'hôpital, s'il consulte ces registres donc de réception des blessés, certainement, il doit connaître le nom et l'adresse de ce jeune homme que je cherche malheureusement, que j'aimerais bien depuis si longtemps, j'aimerais bien le retrouver. Mon vœu le plus cher, c'est de retrouver ce jeune homme pour que lui aussi, je suppose, que je suis sûr que ça lui fera énormément plaisir, s'il est toujours de ce monde, pour retrouver au moins une des deux personnes qui lui ont sauvé la vie. Et nous étions tous à ce moment-là jeunes, et cet événement de mai 68 qui a changer le cours de l'histoire, je crois que ça a été très important. Il y a la France d'avant mai 68, il y a la France après mai 68 et tout ce qui s'est venu après. Bon, alors pour moi, je voudrais le retrouver. Si quelqu'un le connaît, si lui-même il prend acte de ce message, sa famille, ses voisins, ou l'hôpital lui-même, si quelqu'un travaille à l'hôpital, il peut chercher sur les registres, j'aimerais bien avoir de ses nouvelles. Je voudrais bien le retrouver parce qu'il y a, j'ai vu à la télévision française, France 24, France 2, des témoignages d'historiens,
des gens qui parlaient d'une manière abstraite de cette période. Mais moi, ce que je cherchais surtout, un souvenir de quelqu'un qui a été blessé dans sa chair et qui a porté cet événement de mai 68 dans sa chair durant toute sa vie. Certainement, peut-être même, ça a été un handicap de toute une vie. Parce que cette jeunesse avait pour rêve la liberté, la justice sociale, la démocratie et un monde meilleur, pas uniquement pour la France, pour l'Europe, mais pour toute l'humanité. Et c'est ça, moi, en tant qu'Algérien, je voudrais retrouver ce jeune Français. Peut-être que ses parents avaient fait la guerre d'Algérie, mais on s'était retrouvés du même côté, pour le même but, la liberté et le bonheur pour tous. Merci à tous ceux qui pourront, de près ou de loin, me mettre en contact ou me donner des nouvelles de ce jeune homme de plus de 70 ans.